بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم bonjour les élèves. La leçon d'aujourd'hui, la pression et la pression atmosphérique. درس اليوم الضغط والضغط الجوي. Ça, c'est le seringue, l'orifice, le piston. هذا يسمى هذه المحقنة. L'orifice فوهات المحقنة. هذا الجسم يسمى le piston أو المكبس. On pousse le piston. Ça, c'est le seringue. Ça, en bleu, qui est le piston. Et ça, c'est un obstacle. Ou bien, on met le doigt. Ici, on a l'air emprisonné dans ce volume. On pousse le piston. Comment varie le volume de l'air emprisonné? Que ressens-tu au niveau de ton doigt? Le volume de l'air diminue et sa pression augmente. Lorsqu'on a poussé le piston, regardez le volume qui était grand ici devient petit. Et on a ressenti que le doigt a été déformé, c'est-à-dire il y a une pression qui a été exercée sur le doigt, donc on dit que sa pression augmente. On pousse le piston, يعني ندفع المكبس. نلاحظ أن حجم الهواء الذي يوجد في هذا الحجم أنه قد نقص ونلاحظ أن هذا الحاجز أو إذا وضعنا مثلا أصبع أن الأصبع يتشوه يعني أن الهواء الذي يوجد في هذا الجزء من المحقنة أنه ضغط على أصبع إذن le volume de l'air diminue أي حجم الهواء نقص et sa pression augmente. إذن الضغط الهواء أنه ازداد. On tire le piston. Regardez le piston qui était à ce niveau maintenant a été tiré vers la droite. Donc le volume a augmenté. Que ressens-tu au niveau de ton doigt? Donc la pression a diminué, on ne ressent rien sur notre doigt. Donc lorsqu'on tire le piston, le volume de l'air augmente et sa pression diminue. عندما نقوم بجر المكبس حجم الهواء لاحظوا انه قد ازداد ولا يحدث اي شيء على الاصبع على الاصبع عفوا لا يحدث اي شيء على الاصبع اذا لا بريسيون ديمينو اي الضغط نقص. Notion de pression, compression et expansion des gaz. Lorsqu'on pousse le piston, le volume de l'air diminue et sa pression augmente. Lorsqu'on tire le piston, le volume de l'air augmente et sa pression diminue. Regardez, le volume a diminué. Ici, le volume a augmenté. Et la pression ici va être plus grande que dans ce cas. Conclusion, les gaz sont compressibles et expansibles. Ils exercent une pression sur les parois du récipient qui les contiennent. خلاصة أن الغازات أنها قابلة للضغط compressible وقابلة للانتشار expansible.
il exerce une pression, يعني أنها تطبق ضغط على جوانب القارورة التي توجد بها هذه الغازات. Quel est l'appareil de mesure de la pression d'un gaz? Le gaz entre par ce tube-là. Ça, c'est l'unité, c'est le bar. Ça, ce sont des graduations. Regardez, il y a plusieurs graduations. Moukawinat al-manomètre, l'entrée du gaz, ay dokhoul al-gaz. Unité, ay ou l'wihda al-mustamala, waya al-bar. Graduation, yani al-tadrijat. Aiguille, ay mu'ashir. Mesure de la pression d'un gaz enfermé. Pour mesurer la pression d'un gaz enfermé dans un récipient, on utilise le manomètre. On symbolise la pression par la lettre P. Dans le système international, l'unité de la pression est le pascal, son symbole est PA. Il existe autre unité de pression, hectopascal et le bar. Voilà le tableau de conversion. Les qiyas d'art-ghaz mahjouz, nassamilu al-jihaz manomètre. رمز الضغط هو P. الوحدة العالمية للضغط هي الباسكال ورمزها PA. نستعمل وحدة أخرى وهي الهكتو باسكال وبا. هذا هو الجدول. Convertir dans l'unité demandée 20 hectopascal dans 2000 pascal. Tu mets le 2, le 0 ici et le 2, donc tu ajoutes 2, 0. De la même manière, 5 millions pascal, ça donne 50 bars. Le 0 pascal avec le 0 ici, et tu mets les autres nombres, tu vas avoir 50 bars. 12,5 bars, ça donne 2500 hectopascal. Déterminer la valeur de la pression indiquée par l'aiguille de chaque manomètre. Le manomètre 1, donc l'unité c'est hectopascal, on a deux nombres 0 et 500. Premièrement, on cherche la pression pour une division. Donc pour chercher la pression pour une division, on prend la plus grande valeur et la plus petite valeur, c'est-à-dire 600 moins 0, et on divise par le nombre de gradations. Donc combien on a des gradations ou bien de divisions? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 600 moins 0 divisé par 6 égale 100 hectopascal. Donc P1 égale à 500 hectopascal. Pour le manomètre 2, la pression pour une division, c'est 1200. Donc regardez l'unité et le bar. La plus grande valeur, c'est 1200. Et la plus petite valeur, c'est 0. Donc je fais la différence entre les deux et je divise par le nombre de divisions. Donc 1200 moins 0 divisé par 6. Regardez, on a une division, 2, 3, 4 et 5 et 6. Donc ça va donner 200 bars, c'est-à-dire on passe de 0 à cette graduation par 200 bars. Donc 100, 400 bars, donc le P2 égale à 400 bars. Les qiyas ضغط مانومتر واحد ماذا نفعل؟ أولا نحسب الضغط بنسبة لتدريجة واحدة، نأخذ أكبر قيمة 600 وناقص 600 ناقص 0 مقسومة على عدد التدريجات. عدد التدريجات وهي 1 2 3 4 5 6. إذن 600 moins 0 divisé par 6 est égal à 600 moins 0 divisé par 6 égale à 100 hectopascal. Donc,
إذن الضغط في هذه الحالة وهي 500 هكتو باسكال. بالنسبة للمانومتر 2 la pression pour une division 1200 moins 0 divisé par 6 1200 ناقص 0 أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة مقسومة على عدد التدريجات إذن 200 bar donc P2 égale à 400 bar. Pourquoi l'eau reste dans le verre et ne s'écoule pas ? لماذا الماء عندما نضع ورقة تحته أنه لا يسيل ? Donc il y a de l'eau et l'air. La feuille qui est ici est en contact avec deux matières, l'eau et l'air. L'eau exerce une pression sur la feuille. De la même chose, l'air exerce une pression sur la feuille. Mais la plus grande pression, bien sûr, c'est l'air. L'air exerce une grande pression sur la feuille et pour cela, l'eau ne peut pas s'écouler. نلاحظ أن الماء يضغط على هذه الورقة كذلك الهواء الخارجي يضغط أيضا على هذه الورقة لماذا الماء لا يسيل؟ لأن ضغط الهواء على الورقة أكبر من ضغط الماء على هذه الورقة. Donc l'air exerce une pression sur le papier et empêche l'eau de s'échapper du verre. On appelle cette pression la pression atmosphérique. On appelle cette poussée la pression atmosphérique. إذن الهواء يطبق قوة على هذه الورقة. هذا الضغط يسمى بالضغط الجوي. La pression atmosphérique est la pression exercée par l'air de l'atmosphère sur tous les corps. Pour mesurer la pression atmosphérique, on utilise le baromètre. Voilà le baromètre. La valeur de la pression atmosphérique au niveau de la mer est 1013 hectopascales. خلاصه الضغط الجوي c'est la pression atmosphérique. هو الذي يطبقه الهواء الجوي على الأجسام. لقياس الضغط الجوي نستعمل جهاز يسمى بالبارومتر وهو هذا الشكل. La valeur de la pression atmosphérique أي قيمة الضغط الجوي على مستوى البحر وهي ثابتة أي وهي 1013 هكتو باسكال. Remarque, la pression atmosphérique diminue lorsque l'altitude augmente. كلما ارتفعنا من سطح الأرض الضغط الجوي ينقص لأن الهواء ينقص. كسان premièrement le symbole de la pression est deuxièmement l'unité internationale de la pression est troisièmement l'instrument ci-dessous est quatrièmement, 200 hectopascales égale en pascal. Quatrièmement, 200 hectopascales égale en pascal. Cinquièmement, si on diminue le volume d'un gaz, sa pression. 5 bars égale en pascal. On tire le piston d'une seringue bouchée. Sa pression sera. La pression dans la figure 2 est le volume de l'air dans le seringue A. Pourquoi l'eau ne s'écoule pas? Voilà la réponse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.